Où est Amy? Je lui ai dit de ne pas s'éloigner. C'est la tromblotte. Mais examiner d'anciennes technologies incroyablement fascinantes. Le temps presse, mais pas question de la laisser seule ici. Hé hey, attendez, je suis là. Pas la peine de paniquer, je vais bien. Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui avec Kumi et Dick. Mais il n'est pas sur Mumble. Sur Guild Wars 2, Heart of Dawn, coucou Kumi. Coucou. Ça va? Tu me voyais pas trembler et tout sur la vidéo? Je voyais pas la vidéo déjà. Ah très bien. Ah t'es encore en train de charger? Ah si, non, c'est juste que j'avais le dialogue mais j'avais un écran noir. Lol. D'accord. Bon apparemment je suis pas le seul à bugger. C'est très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de trouver un moyen d'entrer dans Ratanou? J'ai hâte d'explorer cet endroit. Tisla qui avait raison. Cet endroit semble abandonné. La meuf. Il faudrait qu'on trouve des alliés ici. En quoi? Elle vole tout. Il y a quelqu'un qui parle. En fait, on est loin de Ratasom, non? Ah non, quoi, on est juste en dessous. Ouais, comment vous avez... Kumi? Ouais. Ouais, non mais... Le gars, quoi, je suis en plein milieu. Ah, c'est pour ça. Putain, mais ça donne même pas d'XP, quoi. Ah, mais ça me fait... ça charge mon cachet, donc ça m'arrange. Ouais, mais bon, si ça donne d'XP, ça sera encore mieux. Oh, je m'en disais bien qu'il des tchaks bien nourris. Ils sont sans doute derrière la chute de cette cité. Ça suffit. Accélérons la cadence. Trouvez les rechirs sur les dragons ancestraux. Repliez-vous. Ouais, il y a un champignon rebondissant. Boing. Oui. Je suis pas sûr qu'il était très utile ce champignon. Ouais, mais il était là. Oh, une cascade. Il oh, y a un autre champignon. Ah, j'ai trouvé un truc sous l'eau. Journe... Ah, j'ai trouvé un truc. Terminal de Ratanovis. Oh, oh. La console est délabrée, l'écran presque inutilisable. Ouais, bon, en gros, il sert à rien, quoi. Mais t'as même pas vu le reste. Bah, juste délabré, inutilisable, ça sert bah, à rien. Bah, il y avait un autre truc. Ah bon. Moi, je l'ai vu en entier, quoi. Mais vous remarquez que la... Dernière entrée ici, toujours lisible, il s'agit apparemment d'un message laissé par Nozora à l'un de ses pères. Ah ouais, ça nous apporte rien de plus, quoi. Il y a des mecs qui se cassent les pieds à créer des histoires et tout. Golem sentinelle est abandonné ici. Attends, moi je vais aller voir en haut. Là. Il y a un golem abandonné là aussi. Bah regarde si ça sert à quelque chose. Moi je vais voir en haut. Ok, moi j'ai... Un filtre ah, devant y une y porte. Il y avait un parchemin dedans. Alors, que je te dise ce qu'il y a dessus. L'écriture est presque illisible, mais vous parvenez à déchiffrer quelques bribes. Danger imminent, ainsi que supplication de l'auteur pour rencontrer une autre personne dans les labos inférieurs. Les tâches sur le papier semblent être du sang. Waouh. Par des morts. Mais tu veux pas venir récupérer le truc quand même, parce que ça te... c'est quand même un truc que tu récupères. Hein. Attends, j'arrive, je finis mon tour. En plus, j'ai un succès. Trouver et interroger le garde Mordrem blessé aux abords de Ratanovus. T'étais où, toi? Je crois que j'ai trouvé la suite. Mais t'étais où? C'est looté? C'est looté? Ben oui. Vous ne pouvez pas prendre la nôtre et c'est plus tard. Tu me l'as volé! Ah, parce que c'est moi qui l'ai. Il dit quoi, Dick? C'est normal que l'histoire n'est pas là. Attends, viens voir, viens deux secondes, moi j'ai trouvé un autre truc. Il y a bien dit dans les étages inférieurs. Moi je crois que j'ai trouvé l'étage inférieur. Alors, la console fonctionne à peine, seul l'écran affiche la dernière entrée qui fut le
un jour saisie. Il s'agit apparemment d'un message laissé par Nazura, l'un de ses pères, ouais, comme d'hab. Kala, par la chimie éternelle, cette ville est sur le point de se disloquer sous nos pieds nouveaux. Attendant, je me rends de ce pas à la salle de contrôle, j'espère que vous verrez ce message à temps. Ah, il y a une page derrière. Attends, non. Ah, bah trop tard, je l'ai prise. Moi aussi. Note détrempée. Son longilure joulot a quasiment désintégré cette. Deux. 7 et 2. On va pas réussir en tapant 7 et 2. On peut pas. Non, plus bas, il y a un truc qui brille là. C'est des cailloux. Vous quittez son élastance. Ouais, d'accord, très bien. On remonte. Là-bas. On quitte l'instance, donc c'est bon, faut remonter. Très bien. Il y a pas un héros par ici, oui, mais bon. Hors de la stance. Sérieux. Vas-y, on quitte l'instance. Bon. Attends, il est où, Joe, ton golem, il était là-bas. Je vais voir si je peux pas lui reparler au cas où. Maintenez les positions. Là-bas, il y a un champignon. Je sais même plus d'où on vient. Ma carte est tellement un bordel. Mais c'est louche que personne bouge chez les NPC. Est-ce que ça nous refaire le coup de brame? Ouais, découvert voie de la Ratanovis. Ouais, mais non, je crois qu'on va s'en aller là. Bah dis donc, trouver les recherches sur les dragons ancestraux. Bah ouais, mais il y a rien en plus, il y a pas de points. Ah mais t'as déjà fait la mission, commis toi. Bah non, c'est la première fois que je l'ai fait. Bah pourquoi t'as les succès alors? J'en Je pouvais sais rien. interroger les gardes mandrins blessés aux abords de la Ratanovis. Toi tu l'as, Je mais moi sais je l'ai pas. pas. Je sais pas pourquoi je l'ai. Je te jure, je l'ai pas fait du tout l'histoire. Bizarre. Peut-être parce que t'as parlé au golem et ça t'a débloqué un succès peut-être à faire. On est Parce que moi je l'ai pas, tellement j'étais pas à finis. côté. Bah là eux, ils font quoi eux? Attaquez ma... Il faut qu'on trouve le labo où ils Ah. ont conduit leurs recherches sur Ah. les dragons. C'est parce que t'as oublié de leur parler, ça. Non, j'ai même pas parlé, je me suis juste approché. On pourra peut-être trouver l'endroit qui consomme le plus d'énergie. Leurs recherches doivent être centralisées là-bas. Ça paraît logique. Et comment on réalimente cet endroit? C'est ce que j'essayais de savoir avant votre arrivée. Je ne faisais pas joujou, Bram. Quoi qu'il en soit, leur processus de raffinement de l'énergie des lignes était différent. Et ils l'utilisaient autrement. Impressionnant. C'est un collecteur de force. Désactivé, visiblement. On pourrait en activer quelques-uns manuellement pour avoir du courant, mais les Tchaks le remarqueront et arriveront aussitôt. Ça vaut le coup d'essayer. Fais-le. Alors, protéger Taimi. Oh, très bien. Attention, l'armée de Tchaks qui va arriver. Effectivement. Bon, ça va, ils sont en mousse. Je Si tu veux te battre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Plus on active de collecteurs, plus on aura de tchaks sur le dos. Un calcul mortel. Mais non. Si quelque chose arrive, on s'en occupe. Putain, le cours de temps, quoi. Allez, plus vite, là. Ah, carrément. La meuf, elle est obligée de taper pour que ça fonctionne, quoi. Faut pas demander.
Tario. Comment on le défonce quoi. Ils ont... En fait, ils ont même pas de level les mobs. Encore plusieurs collecteurs à activer avant que le courant ne revienne. Mais si le courant est coupé, d'où vient cette lumière? Je me suis posé la même question, et les Ratanovans avaient une sacrée explication. Ces luminaires au-dessus de nos têtes sont faits de fibres optiques, ces câbles montent jusqu'à la surface. Ils acheminent la lumière naturelle jusqu'ici. Pas besoin de courant. Même ici, on profite encore de la lumière du jour. C'est ingénieux! J'espère qu'on découvrira comment ils ont résolu les problèmes d'aération souterraine. Ça pourrait bien révolutionner toutes les futures constructions Azura. Ce n'est pas en restant planté. Bah même chez nous, hein, ça pourrait révolutionner, t'imagines? T'éclaires toutes tes pièces avec le soleil et tout. Oh merde, ça c'est un trou. Non, c'est bon, je suis là. N'empêche, l'objectif protéger Tiny, quoi. Même limite, seulement les PNJ peuvent se débrouiller sans nous, quoi. On a attaqué! Ah! Il commence à avoir des vétérans, attention! Ouais, bah! T'as le mec, j'ai fait 130 000 de dégâts, quoi! C'est plutôt le contraire. Elle se fait étrangement discrète ici. La voix de Mordre Mode devenait assourdissante quand nous nous en approchions. Ici, ce n'est plus qu'un. J'apprécie ce répit. Ça commençait à faire trop? Commandant, vous m'insultez. Je n'ai aucune intention de me soumettre à ce monde. Bon, l'épée de canache, elle est super classe. C'est canac, pas canache. C'est que canache. J'ai dit canache. Je vois la cible. Oh. Oh. Tu le cibles et tout, quoi. Quoi, non. Attends, faut le tuer. Mais... Oh putain, je perds la vie. Aïe, aïe. Voilà, je vais target quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Moi, cette puissance pour pouvoir relancer les systèmes. Et ensuite? Peter me permettra de savoir où se dirige toute cette énergie. Parfait. Avec un peu de chance, on trouve un labo. Aurore déchaînée. Allons activer le dernier. Putain, mais il y en a combien à activer, sérieux, quoi? Attendez, Pito a détecté quelque chose d'inhabituel. On dirait... Ah boss. On dirait la trace d'un golem. Le signal semble daté, mais j'en avais jamais vu pareil. Ouais, voilà un golem sorti. Attaquez ma cible, que tout le monde se prépare. Technologie Azura, on approche. Golem, même toi. Voilà. T'es sérieux, que... Putain, il y en a encore un derrière l'air! Mais t'inquiète, t'inquiète. Ouais, je m'inquiète, on va tous mourir. Vas-y, je regarde à gauche au cas où. Ah, y'a un succès qui s'est activé. Localiser et détruire tous les mécanismes de sécurité actifs dans la ville de Ratanovus. Tu crois que tous les. Les pas de contrôle qu'on avait trouvé, c'est peut-être ça, non? Je sais pas du tout. Faudrait voir à la fin de la mission. Ou. Je sais pas si ça a marché. Je me demande s'il est possible de l'utiliser contre une ordre. Vous trouvez les recherches des Ratanovans, d'accord? Grand nettoyage. Bram, étudier n'est jamais une perte de temps. Restons concentrés. De quel côté, Tiny? Maintenant que le moteur est démarré, je détecte un puissant signal d'énergie. Ça doit être un laboratoire. Suivez-moi.
Ouais, c'est un objectif. Ça doit être un objectif secondaire, trouver les recherches sur les dragons ancestraux. Là. C'est quoi, c'était en dessous? Attends, je vais les check 2 minutes. Le terminal de Ratanovus là. Ce n'est pas grave. Continuons d'avancer avant d'avoir d'autres ennuis. Non, ça fait rien. Ouh, canon balistique. Yo. C'est bon, je suis là. Pour un coup, t'as une mise dépêche quoi. On va check les succès quand on pourra refaire. Ou c'était ça le truc de sécurité, non? C'est bon. Parce que ça reste un truc de sécurité sur lequel on voit les canons balistiques. Je sais bien qu'elle va prendre un autre chemin. On va prendre un autre chemin. Je crois bien, on est presque au-dessus de la source. Ah, il y a une page. D'accord, une page imprimée coincée dans le truc à droite. Alors, chose étonnante, cette terminal est tout à fait opérationnel. L'écran ne présente qu'une seule entrée d'agendas à l'opérateur. Ah, j'ai récupéré le plein imprimé. Ouais, moi aussi, je double cliqué dessus. Sur le combat de boss. Let's go! Attaquez ma cible! Taïo, Jérôme! Je crois que j'ai fait une bêtise. Pourquoi t'as fait quoi? Tu es allé en haut? Moi, c'est en dessous. Au début, je voulais aller en haut aussi, mais non, c'est en dessous. Jerry, venez à la rescousse. Aïe, aïe, aïe. Eh, mais reviens, bitch. Le mec qui court, il est invulnérable. Oh, 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 ah, très bien. Oh, Bram, oh mon dieu, il est mort. Ah, ah. Waouh! Wow. T'as mis, c'est un héros! Bien joué, Tiny! Merci! Mais c'est Peter qui a fait tout le travail! Eh oui, il fait partie de l'équipe, tout comme toi! Si vous le dites. Voilà, il y a un portail par contre. Où est-ce qu'il mène? Moi, je vais les voir en haut, perso. Et comment on procède? J'ai pas envie de passer le portail. J'ai toujours rêvé de servir de cobaye. Non, pas vraiment. Non, ton perso vient de dire qu'il voulait. Non, moi je suis pas d'accord. On n'avance pas si tu es pas dans le portail là. Je sais, mais je vais checker en haut s'il n'y a pas des trucs de sécurité et tout. Pourquoi je dois parler à Tiny avant? Facultatif. Bah, je suis facultatif. Désolé. Oui, je vais bien, commandant. Enfin, je peux parler franchement? Bien sûr, pas de problème. Je suis contente de faire partie de cette compagnie, mais je suis pas la mascotte de l'équipe. Je suis d'accord. Tu as largement prouvé ta valeur au cours de cette mission. Oh, vraiment?
J'aimerais bien que les autres soient de cet avis. What? C'est le cas. Désolé de te l'apprendre, mais tu fais partie de l'équipe, que ça te plaise ou non. D'accord. Si vous le dites, je vous crois. Merci. Putain, voilà l'objectif secondaire. C'est pour ça, pour qu'elle sache si elle est dans l'équipe ou pas, quoi. Waouh. Connaissance. Putain, j'ai même pas eu le temps de dire le... le truc qui était écrit, quoi. Oh non, de la mitou. Bien joué, commandant. Je vous avais dit que cette porte... est cassée. Elle a cassé la porte. J'espère que personne n'avait prévu de faire demi-tour. Où est-ce qu'on est tombé? Je détecte une forte consommation d'énergie des lignes droit devant. Je parierais mon onduleur transversal que c'est le laboratoire du dragon. Ah bah, Kumi, ça te rappelle rien? Ah, ah, j'ai trop envie de sauter. Ouais, mais c'est bloqué en fait. On peut pas. Attendez. Oula. Regardez le symbole sur la porte. Un dragon? C'est certainement ici. Ça me rappelle vachement le logo de Heart of Thorn. Faut qu'on se débrouille pour accéder à ce laboratoire. Impossible. La porte qui donne accès aux escaliers est fichue. Donc on est piégé ici. Notre seule autre issue, c'est la porte qui vient d'exploser. Peut-être. Sans doute. Oui. Réfléchissons. Pourquoi ces portes ne s'ouvrent pas? Oh! Attendez! Bah, piteux, il peut l'enlever, non? Bah, bah voilà, c'est parce que c'est cassé ici. Bah ouais. Cet endroit est alimenté par l'énergie des lignes de force et ce conduit est détruit. C'est sans doute à cause de ça que les portes de cette salle et du labo ne peuvent pas s'ouvrir. Si on arrive à réparer le circuit, les portes s'ouvriront sûrement. Oui, moi. Peter peut remplacer la pièce manquante. La technologie des lignes que je lui ai ajoutée peut conduire l'énergie. Mais est-ce qu'il va survivre? J'en suis pas sûr. Tiny, quand l'enquête a détruit Peter... Bah, c'est un robot, c'est un robot. Je ne peux pas... Vous ne pouvez pas quoi? Laisser une enfant prendre une décision? C'est mignon. Je ne suis pas une enfant, et je vais le faire. Peut-être que j'étais pas prête à la cime sèche, mais maintenant... D'accord. Mais une fois que les portes seront ouvertes, on aura encore tout un tas de tchaks à affronter. J'ai une idée à ce sujet, mais une chose à la fois. Je pensais qu'elle a jamais bougé. Allez, mon grand, le moment est venu. Tu sais quoi faire. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Allez, ça va. Je vais m'en sortir. Non. Oh, pauvre petit piteux. Ah putain, je pensais que la porte était encore fermée. Ah ouais, putain, mais je me suis dit, c'est la porte quoi, après tout ça, s'il te plaît. Quoi. Ah mais c'est pour ça qu'elle boite, viens, si tu veux, je te porte petite. Merci. Bah à la base, le robot, c'était parce qu'elle boitait. Bah oui, mais là, elle boite, elle va se faire mal, viens, monte sur ma tête. Commandant, vous vous souvenez de ces sales gosses qui brûlaient des scarabées avec une loupe à l'école? Oui, pourquoi? Parce que je vais être une sale gosse. Pour faire simple, l'appareil dans cette pièce, c'est un gros télescope. Je peux reconfigurer toutes les lumières, les orienter vers les lentilles et créer un rayon de chaleur géant. Et à nous le barbecue de Jack. Ou les tuer à la main. Fais ce que tu as à faire. On te couvre. Ok. C'est parti. Oh putain, on est obligé de la défendre, c'est sérieux quoi. Elle compte pas ceux qui sont au-dessus parce que. Bon, allez, boite plus vite là, s'il te plaît. Nous, on va faire autrement. Ah, wouh! Tiens, on y va! Coupe l'opérative en plan, repoussez-la jusqu'à ce qu'elle est finie.
Bon, on va faire un autre sauce, nous. Tu la suis? Ouais, je l'espère quand même, la pauvre petite. Je vis dans Bob. Allez, Penny. Imagine, il y a un succès, faut tout faire. Elle est en train de botter, mais hyper vite, ça fait stress. Je suis en train de remonter. Tout va bien, Taimi. Attendez là. J'ai placé les lentilles sur le microscope. Maintenant, il faut que j'atteigne la console. Ben. Allez, 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 chupinette. Allez, petite. Go, 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 go. Non, mais regarde comment elle boit super vite. Non, j'ai pas vu. Ah, non, regarde, tu vas voir, tu vas voir. Eh, eh, eh. Regarde maintenant. Oh, elle s'est arrêtée là. Allez, Tony. Allez. Allez. Barbuck, barbuck parti. Le temps qu'elle configure tout, tous les meufs sont morts en fait. Non, ça sort pas. Oh, c'est pas drôle. J'aurais voulu voir la cinématique où elle fait le truc et il n'y a rien dedans en fait. Bon, ça peut arriver hein, si on arrive dans le bon timing. J'avoue quoi, ils ont 2 HP les mobs quoi. Là elle n'a pas qu'ils sortent derrière. Tayo! Genre, j'ai envie de me mettre en dessous, moi. Attends, je vais aller en dessous. On se fait one shot. T'imagines, on se fait one shot. Pouf, vous avez failli la mission. Ah bah si, bah faut les attirer, c'est bon. Ah mais oh mon dieu, les tous les sacs de brûleurs que ça met. Putain, reste attends, viens à côté. Oh. Tiens, on l'a plus. Ah c'est à côté de moi, je suis comme désolé. Ah non mais je t'arrive à genre 15 sacs de brûleurs quoi, pour la fois que je vois ça. Attends, vas-y. Mon gueule, il me prend les dégâts mongolins. J'ai envie de prendre plein de stacks. Mais casse-toi, canard cloche. C'est moche. Pourquoi je prends rien? Je prends pas de stack de brûlure, c'est quoi cette arnaque? Ouais, t'es dans ce terrain, mon golem, il crame. Ah si, j'ai des stacks. Le mec. Je veux des stacks, s'il vous plaît. 10, 15. Ah bah non, je vais pas mort. Là par contre, je risque de mourir. Je rigolais.
Eh, putain, mais c'était ça son rayon lumineux de la mort qui tue Barbuck, toi? Ouais, je m'attendais à un méga laser. Putain, moi je m'attendais que. Toute la zone, quoi. Ouais, toute la salle devient très lumineux qui t'éclate les yeux. Mais non. Et est-ce qu'on est au bon endroit? Démarrer ces machines et on le saura. En tout cas, on a toujours pas trouvé le fameux garde Mordrem blessé là. Pas encore. Ben, aux abords, si on est à l'entrée du truc. Console de Ratanovus ou il y a terminal de Ratanovus? Je fais lequel? Ok. Bah, je sais pas, c'est qu'il y a un truc vert. Donc quelque chose sur Mordrobot? Non. Enfin, pas vraiment. Ça parle de tous les dragons ancestraux. Qu'est-ce que ça dit? Grâce à leur recherche sur Primordius, les Ratanovans ont découvert que chaque. Bah, là, je compte mon succès localisé détruire tous les mécanismes de sécurité. Mais bon, de toute façon, on verra quand je les referai, mon perso. Et est-ce que ça dit? Ce que c'est? Quand je vois à quelle vitesse la flotte a été décimée, il est évident que la tactique que vous aviez utilisée avec ma mère. C'était quoi le mot de passe? 7-2, je crois, non? On fait quoi maintenant? C'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Une chose est sûre, nous devons battre Mordrobot. Nous avons mené la charge sans même savoir si c'était possible. 2-7. Et à présent, nous savons que c'est le cas. Notre mission est de trouver comment. Pour ça, il va falloir se rapprocher de Mordrobot. Et grâce à cette carte des lignes de force, on sait exactement où il se trouve. Allons retrouver les autres, alors. Je ne dirai pas non à de l'aide pour la trouver, cette faiblesse. Parler de cette corde à Taimi. Putain, maintenant, je la vois même plus, Taimi, quoi. C'était tellement petite. Qu'on ne reverra plus piteux. Oh non, j'ai déjà commencé à concevoir piteux 2.0. Oh. Bah, elle avait prévu le coup. Et un peu par là. Et rajouter des armes. Plein d'armes. Ah. Et en attendant, j'aime bien. C'est ici que je m'arrête pour l'instant. Je vais devoir rester à Ratanovus et faire toutes ces délectables recherches. Dommage. Toute seule? Tu en es sûre? Est-ce que vous poseriez cette question à Ritlock ou Kanak? Ce n'est pas faux. Tu veux que j'envoie quelqu'un à Ratasom pour les prévenir que tu es ici? Non merci. Je m'en occuperai dans quelques semaines, disons. Pas envie de te faire flunter encore une fois, c'est ça? Pas spécialement, non? D'accord, Taimi. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi, commandant. Passez le bonjour au dragon de ma part. Mm-hmm. Merci beaucoup, Taimi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne reverra plus piteux? Oh non. Piteux 2.0. Je vais le raboter. Mais je m'en bats les Et rajouter des armes. Mais en attendant, c'est ici que je m'arrête pour l'instant. Je vais devoir rester à Ratanovus et faire toutes ces délicables recherches. Dommage. Toute seule? Tu en es sûre? Est-ce que vous poseriez cette question à Ritlock ou Kanak? Ce n'est pas faux. Tu veux que j'envoie quelqu'un à Ratasom pour les prévenir? Je sais plus, bah là il y a un mot de passe à rentrer entre 0, 1, 2, 7. Je m'en occuperai dans quelques semaines. On peut y voir te faire flunter encore une, fois, une série d'espaces précédés de chiffre fois 1. D'accord, Taimi. Et suivi de 5 espaces. À bientôt. Moi aussi, commandant. Passez le bonjour au dragon de ma part. Non, je pense. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Oh, mais... Eh, non, mais attends, c'est quoi l'arnaque? Sur la mission d'avant. Nous donne des exos et là il nous donne un vieux gold. Ah mais il a regardé la skin quoi. Mais ouais mais c'est un gold. Allô. C'est quoi c'est des armes. Putain la skin dégueulasse quoi. J'avoue c'est pas pour Naru les armes chacun. Laisse tomber. Bon vas-y j'en prends au pif. Attends j'ai pas la skin là. Ouais. Bah du coup nous je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Putain, on a mis 34 minutes pour faire une mission. Faudra les potions Itzel, Chris. Putain, c'est sérieux. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne de Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien, bientôt. À bientôt. Ciao, 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 ciao.